Alors, Zark, on peut encore avoir affaire à des animaux sans les anesthésier, sans non, antidouleur? Mais absolument pas. Enfin, ça, voilà le genre de choses moi, que je ne peux pas laisser dire. Alors dites-nous. Vous avez effectivement des procédures qu'on qualifie de sévères parce qu'elles reproduisent en particulier des pathologies qui sont sévères. Vous savez, le CNRS copilote un projet sur la recherche sur les cancers pédiatriques. Bon. On est face à des maladies qui vont effectivement générer nécessairement de la douleur. C'est le cas aussi des maladies neurodégénératives. Donc les modèles, effectivement, qu'on va utiliser dans ce genre d'études, forcément, vont être impliqués dans ce qu'on appelle des procédures sévères, parce que de fait même que ces animaux vont porter une maladie, on le sait parce que justement, chez l'homme, c'est des maladies qui sont extrêmement débilitantes et douloureuses. Mais vous dites que c'est des antidouleurs, mais il y a des anesthésiants. Mais bien sûr, mais écoutez, on utilise aujourd'hui des morphiniques, hein, dont la plupart des pays dans le monde ne disposent pas pour l'humain. Et c'est une obligation. Non, mais je veux dire, c'est une réalité. Moi, j'entends Audrey Jougla qui respire très fort à Nantes. Oui, mais écoutez, moi, je l'invite. Non, mais moi, je suis encore une fois. Je précise quand même que j'ai, en tant que vétérinaire, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant et nous sommes intransigeants. Et laisser croire qu'aujourd'hui, il y a des animaux qui sont laissés sans analgésie, sans anesthésie, c'est quelque chose. Qui, alors, Audrey Jougla, c'est ce que vous écrivez pourtant. Hein. Alors c'est ce que j'écris, preuve à l'appui, parce que on se base pas sur des vues de l'esprit, mais sur des protocoles qui sont publiés, c'est-à-dire les résumés non techniques des expériences. Et je vais donner un exemple très concret aux auditeurs. La directive européenne tolère tout à fait les expériences sans antidouleur. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. Si ça contrevient au protocole. Alors qu'est-ce que c'est un protocole où ça contreviendrait? Précisément des protocoles sur la douleur et même la douleur intense. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire que on comprend bien que si on veut travailler sur la douleur intense, il faut qu'il y ait une douleur intense. Et donc là, ça contrevient au protocole. Donc on a des expériences sévères avec une douleur intense qui fait partie du protocole, et c'est tout à fait légal pour ce protocole que les animaux n'aient pas d'antidouleur dentalgique. Donc aujourd'hui, même certains chercheurs donc le nient, mais en fait c'est une réalité. Et on a des lots entiers de résumés non techniques de protocoles qui décrivent justement des expériences absolument abominables.